synonyme de quasi-perfection. Donc le challenge était extrêmement relevé pour Eric Casimir, deuxième des qualifications tout près hier de Marius Urzica. Et Eric n'a pas déçu, pas évident, alors qu'il y a une vraie différence de gabarit entre ces deux athlètes. Autant Urzica est fin mais très petit, autant Eric est tout aussi fin mais alors beaucoup plus grand, donc un peu plus lourd. Et là on voit... beaucoup plus longiligne, effectivement, mais très très dégagé au-dessus de ses appuis, ce qui lui confère à lui un autre style que l'on apprécie parce que vraiment la richesse de sa combinaison est également exceptionnelle. Après, c'est au juge de faire la différence, mais ce sont deux mouvements vraiment du plus haut niveau qui partent sur la note maximum, tous les deux. Très très bel exercice. Et il peut être Eric. Satisfait. Ah oui, il peut, et d'autant que s'il nous fait la même chose au championnat du monde, on risque d'avoir une très très belle performance, donc une médaille potentielle. On va croiser les doigts pour que ce soit le cas. Et puis surtout une qualif assurée pour les Jeux d'Athènes, puisque ces championnats du monde seront qualificatifs. Oui, et puis petit à petit, au fil de ces grands tournois et des grandes compétitions mondiales qu'il a déjà réalisées, mais il se forge un nom, car il est déjà rentré en finale au championnat du monde. C'était il y a quelques mois de cela à Debrecen, où il avait pris la cinquième place, et donc il confirme encore aujourd'hui sa forme. Et cela fait déjà 10 ans, je dirais, qu'il est au sommet de son art sur cet agrès, puisque tout petit, il était champion d'Europe junior, c'était en 1994. Et oui, et on découvre la nouvelle coiffure d'Eric, qui a énormément de succès auprès des jeunes filles ici présentes. Très très belle prestation, 9,725, on voit... Eric vraiment côtoie la perfection, et on va le retrouver en compagnie de qui, je vous le demande, vous le savez déjà, en compagnie de Nelson Montfort. Oui Patrick, effectivement, vous pensez bien qu'Eric était le premier intéressé pour revoir ces images, un exercice qui s'est très très bien passé. Alors deux styles très différents entre Marius Urzica et vous, et finalement une note qui n'est pas très loin de la sienne, vous l'accrochez avec j'imagine d'autres espoirs pour la saison, pour l'approcher de plus en plus. Oui bien sûr, je suis tout à fait satisfait de mon mouvement aujourd'hui à 9725, je vais dire mieux. Enfin, je veux dire, ça va être un petit peu difficile, mais bon, il y a encore quelques dixièmes à gagner. Et ça, enfin, je veux dire, je travaille. Et Urzica, il est abordable. Son mouvement, il y avait quelques petites fautes aujourd'hui, mais bon, champion d'Europe, champion du monde et tout ce qu'on connaît. Mais c'est clair que pour les prochaines étapes, il va être assez, enfin, je veux dire, assez abordable, quoi. Rendez-vous est pris. Merci Eric. À bientôt. Merci beaucoup.